Révérend Fares Guina, vis longtemps. Vis longtemps, révérend Michael. Yamke Emma. Yamke Emma, reste connecté, je vais prier pour toi. Bonjour Herman Romaric, Herman Ivan. Joël demeure béni, fiston. Ma fille Emmanuela Zaboti demeure béni. Maria Pamphile demeure béni. Romain Jean demeure béni. Mathieu Elvis demeure béni. Thibaut Anselme demeure béni. Please pray with me. I'm trying hard. I'm really trying to run away from this. Abrato vati ambara lara shoutme lo. Dieu vous bénisse tous, que la bonne main de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous allons prier. Nous allons nous recueillir. Nous allons nous recueillir dans la présence de Dieu. Shabarakadana. Quelle adoration. Amamaro Shababaragadana. O braga di fara la braccio lì di bilante bre. My God. Mama Marusha da bara la ba. Yamke ma. Yamke ma. Yamke Emma. Oh,
Yamkema, tu es malade, je vais prier pour toi. Le Seigneur va te guérir. D'accord, je prie pour toi maintenant. Pendant que tu entends ma voix, un ange te visite dans la chambre dans laquelle tu es couché en ce moment. Et il te guérit par la puissance de Dieu de toutes les maladies, de tous les maux dont tu souffres en ce moment. La bradi fahaka di ko kati san variando lo vakati di bam dolore. Pleria da fahountain sukutine la brai sotun ga utun bre. Krustaria gadina fountain lo. Brustiki kakorolo kotunu mama shi. Le brai ko ma varianta la redina mama shotine lo brai santa. La barada ba wile lo. My God. Braga da da ba la wine lo brisho. Madana la wede lo. Ema yamke. Ema yamke. Fais vite. Ema yamke. Nobody fara la wine lo. Maisha diba, emaniamke. Marido lo fahadana la govante. Ema nyamke. Le Seigneur bénit mon fils Franck Olivier Dagourou. Pendant que j'étais en train de prier pour Ema nyamke, le Seigneur a ouvert mon esprit sur la chambre dans laquelle elle est couchée en ce moment. J'ai vu comme un nuage noir, une ombre dans la chambre. Et le Seigneur m'a dit que c'est un esprit de mort qu'on a envoyé. Tu es hospitalisé, tu es à l'hôpital en ce moment. Et le Seigneur m'a dit que c'est un esprit de mort qu'on a envoyé sur toi. Et cet esprit de mort-là est venu sous forme de maladie. Normalement, à l'issue de cette maladie, tu ne dois pas t'en sortir. Mais l'amour que le Seigneur a pour toi, la gloire de Dieu descend là où tu es. Tu vas sentir des présences dans ta chambre à l'instant où je suis en train de parler. Tu vas sentir des présences dans ta chambre à l'instant où je suis en train de parler. Des présences angéliques, des présences des êtres célestes autour de ton lit. Et pendant que tu seras en train de sentir leur présence, tu vas sentir une sorte de lourdeur autour de toi, une sorte de lourdeur sur tout ton être. Quand tu vas sentir cette lourdeur, Dieu sera en train de travailler maintenant. Dieu sera en train de travailler maintenant. Je vois des anges descendre dans ta chambre. Je sens la présence de Dieu dans ta chambre. Je sens la présence de Dieu dans ta chambre. Je sens la présence de Dieu. On a envoyé cet esprit de mort pour te prendre, mais je déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Tu ne mourras pas. Nyamke Emma, tu ne mourras pas, tu vivras. Ils ont envoyé cet esprit de mort pour te prendre, mais tu ne mourras pas. Je profite de l'occasion pour libérer la grâce de la guérison sur tous ceux qui sont malades en ce moment. Je
déclare que toutes sortes de maladies, toutes les maladies dont vous souffrez ne feront plus partie de vos vies. Toutes ces maladies ne font plus partie de vos vies à partir de cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parlera de malades, vos noms ne seront pas mentionnés. Quand on parlera de malades, quand on parlera de cancéreux, quand on parlera d'infections pulmonaires, on parlera d'infections au niveau de l'estomac, quand on parlera de malades, quand on parlera d'infections, quand on parlera de paralysie, quand on parlera, quelle qu'en soit la maladie, je déclare, je décrète, je prophétise et je prophétise et j'éloigne de vous la maladie au nom de Jésus. Emmanuelke, j'ai dit qu'il y a des présences dans ta chambre en ce moment. Je vois des anges entrer dans ta chambre, un grand nombre d'anges entrer dans ta chambre. My God, Rabakabadou, Fahakadia, Garoubri, Sabra, Lagadaba, La Windelo. Tu souffres d'un cancer, écoute-moi bien. Tu souffres d'un cancer, écoute-moi bien. Tu souffres d'un cancer, écoute-moi bien. La puissance de Dieu vient t'opérer pour t'enlever ce cancer. Maintenant, je ne parle pas de demain, je ne parle pas d'un mois, je ne parle pas de 2 mois. Je dis maintenant, comme tu entends ma voix, maintenant même, comme tu entends ma voix, je prophétise, je déclare et je décrète que le cancer disparaît. In the name of Jesus. Toutes les flèches de la mort, toutes les flèches de la mort, toutes les flèches de la mort qui volent dans ta direction, toutes les flèches de la mort qui volent dans ta direction, toutes les flèches de la maladie qui volent dans ta direction, toutes les flèches de la mort qui volent dans ta direction, je prie que ces flèches soient toutes détruites in the name of Jesus. Jesus, Gago Sagariga da Baba Rosso Malawi de Bilao Zagadi Fara Osu Dinamalaga Pleria Gadi So Mabaria Rata Baba Rosata Batona Babarata Le Macaba Coma Cassati of Alabareto La braga de sobranda liavara la gomosa le brazo gadiava lobro catifo cana la gadico santa us hakatin de lokaba bruski katunda la ria foroto mababa ristu standina vara la kitu mafahato la baro masharati kamaru barika badu mandia gade Lord, ne shout and the Lord. Emma Nyamke. Emma Nyamke. Manusheka, il y a une onction prophétique bizarre sur toi que tu n'arrives pas à canaliser. Manusheka François, il y a une onction prophétique bizarre sur toi. Depuis ton enfance, cette onction prophétique est sur toi. Depuis que tu es toute petite, il y a une onction bizarre sur toi que tu n'arrives vraiment pas à expliquer, à maîtriser. C'est une onction qui te fatigue, qui te dérange. Bon, je ne dirais pas déranger, mais qui te fatigue beaucoup. C'est une onction que tu n'arrives vraiment pas à canaliser. Et là, tu es perdu. Tu te poses plein de questions. Enfin, je ne suis pas là ce soir pour un service prophétique. Dieu m'a dit de me connecter, qu'il y a quelqu'un qui serait malade pour qui j'allais prier. Et je me connecte maintenant. Et je vois des anges qui sont en train de converger dans la chambre d'une femme qu'on appelle Emma Nyamke. Et ces anges sont en train de courir pour aller dans sa chambre pour la guérir. Je vois des anges qui vont guérir. Emma, tu vas sentir des présences. C'est comme une bouffée de chaleur. Ragada bawin de l'obra iso vali avaraha gadadada loso la marique tene labra kamburu santebra shori di bilandoro vahavuru satu kadida nabaruto kadisa
Livoro gadina na marosho kataba rukotonolo written labre. Lai sorry ten labra gadisa dio fahaka gagaloso. Ukutunu mama sati na fahau sante brido luka da baba. La ragado sante briso loriden la ba. Liko maka sante la brate. La baro so mama malia gado rate ma ba 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 ratu. La ba 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 ko so ta ba ba ba. Sonia, tu reçois ta guérison également. Tous ceux qui sont malades en ce moment, qui sont connectés dans ce live, qui sont connectés à ce live, vous recevez vos guérisons maintenant, au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bon, je suis là pour trois choses. La première chose, c'est que depuis le dimanche passé, nous sommes en train d'enseigner sur Moïse et Aaron. Dimanche dernier, nous avions eu un culte magnifique, un service extraordinaire, un service glorieux, puissant. Et ce dimanche, nous montons dans la double portion de l'onction qui s'est manifestée ce dimanche. Dimanche prochain, nous montons à un autre niveau. Voilà pourquoi, si tu es à Abidjan, ou même si tu n'es pas à Abidjan, que tu veux le bien de ta famille, que tu veux le bonheur de ta famille et que tu connais des gens à Abidjan, c'est l'occasion de leur donner l'adresse pour qu'ils puissent prendre part au culte de dimanche prochain. Dimanche prochain, nous montons dans l'onction prophétique et dans l'onction de la voyance. Nous allons monter très fortement dans le prophétique et ça va être extraordinaire. Donc déjà dimanche, nous démarrons. Et la deuxième chose que j'aimerais dire est que nous avons lancé le ZPS, Zoom Prophetic School. Nous avons lancé la deuxième édition. Ceux qui ont pris part à la première édition ont couru pour s'inscrire parce qu'ils savent ce qu'ils ont reçu comme enseignement à la première édition. Et pour cette deuxième édition, nous avons choisi de faire ça un peu plus long. Parce qu'à la première édition, il y avait tellement de choses à dire. Par exemple, le cours que j'ai donné sur le parler en langue était un cours que j'ai dû arrêter. Parce que il fallait arrêter pour parler de d'autres notions. Ça faisait mal. Plein de personnes m'ont dit, oh prophète, tu as arrêté, pourquoi tu as arrêté sur le parler en langue? Parce que ceux qui ont suivi le cours sur le parler en langue, c'était autre chose. On n'a jamais entendu un pareil enseignement sur le parler en langue. Jamais on a entendu un pareil enseignement sur le parler en langue. Nous avons parlé du parler en langue. Nous avons parlé du langage céleste, du langage divin. Nous avons parlé du langage angélique. Nous avons parlé des langues de Dieu. Nous avons parlé des choses. Nous avons parlé de comment le parler en langue fonctionne. Mais c'était trop long. Il fallait donc abréger parce que le lendemain, je devais venir parler, je crois, sur les esprits de prophètes. Donc, du coup, on a dû stopper. Mais pour cette deuxième session, nous faisons ça long, très long, pour nous donner le temps d'enseigner, d'exposer, pour nous donner le temps en largeur et en profondeur d'exposer sur les différents thèmes, sur les différents modules. Donc, ce Zoom Prophetic Live, ce Zoom Prophetic School aura lieu le 3 mai. Le 3 mai, c'est lundi prochain. Le lundi prochain, nous débutons. Nous débutons sur d'abord le premier thème qui est l'ouverture de tous nos enseignements. Comment grandir dans le prophétique? Donc, nous allons
commencé avec ça et nous allons terminer avec plusieurs autres notions, mais nous aurons tout un mois pour parler de tout ça, de toutes ces choses. Nous allons apprendre aux gens et ce sera suivi d'un temps d'impact. Nous allons impacter des gens sur ceux que Dieu appelle bien évidemment au ministère prophétique, ou ceux qui ont sur eux l'esprit de prophète, ou ceux qui sont dans le prophétique, ou ceux qui ont la matière, qui ont la sémence prophétique en eux, ceux qui ont la prédisposition prophétique en eux. Donc les inscriptions se poursuivent. Pour vous faire inscrire, c'est simple. Vous écrivez à l'adresse mail qui est sur l'affiche, Prophetic City 4 en chiffres, @gmail.com. Vous écrivez sur l'affiche. Pardon, vous écrivez à l'adresse mail et puis nous allons vous répondre. Quelqu'un va vous répondre là-bas pour vous donner tous les détails et tous les renseignements sur l'école en question. Donc nous démarrons déjà le 3 mai, nous démarrons et nous finissons le 31 mai. Et sur l'adresse mail, on va vous donner tout le programme avec toutes les modalités. Vous aurez toutes les modalités, tout le programme, comment les choses vont se passer, comment les choses vont se dérouler. Voilà. Et la dernière chose est que le 8 mai, nous aurons un temps de consultation prophétique spéciale. Le 8 mai, c'est un samedi. Généralement, je fais au bureau ici des temps d'orientation, des consultations prophétiques, de prière pour les malades, de délivrance, tout ça. Nous les faisons ici les mercredis. Mais hier nuit, quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, le 8 à 9 heures, il faudra organiser une réunion de prière, d'orientation prophétique et de délivrance. C'est un programme très spécial. Il n'était pas prévu et il n'est pas prévu dans le programme de l'Église. Mais hier nuit, quand je priais, le Seigneur m'a interpellé et il m'a dit de le faire. Orientation prophétique et délivrance. Samedi à 9h, ici même à International Prophetic City, nous serons là pour un culte de gloire, pour un culte de délivrance, de prophétie, d'orientation. Enfin, c'est même pas un culte, c'est une réunion parce que après, je vais prendre des gens à part, on n'a pas des. Je vais les prendre à part. Donc, voilà, le 8, nous aurons orientation prophétique, consultation prophétique et délivrance. Sincèrement, si je suis toi, que je suis à Abidjan, où j'ai de la famille, à Abidjan, des amis, des frères, sincèrement, le 8. Bon, pour celui qui dit que je ne réponds pas là, vraiment, excuse-moi. Quand je suis en train de parler comme ça, je ne vois vraiment pas les commentaires de tout le monde. Voilà. Ben, toutes les informations vous seront données en ce qui concerne l'école des prophètes. Toutes les informations vous seront données sur l'adresse mail. Il y a quelqu'un là-bas qui vous donne toutes les informations. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un est disponible pour vous donner toutes les informations. Mais le 8 là, ne manquez pas. Sincèrement, le 8 ne manquez vraiment pas. En toute sincérité, le 8 ne manquez pas. Et Ma Aniamke, comment tu te sens maintenant? Comment tu te sens maintenant? Excusez-moi. Fa
Pharrell, Moton Zift, que Dieu visite ton enfant qui est hospitalisé maintenant au nom de Jésus. Le 8, ce sera un live. Le 8, ça va. Waouh, ça va. Le 8. Power, gloire à Dieu. Elle dit qu'elle va mieux maintenant. Que la gloire revienne à Jésus. Tu es guéri, c'est fini, Emma. C'est fini. Quand tu, tout à l'heure, tu vas t'endormir. Quand tu vas te réveiller, tu vas te sentir nettement mieux. Oh, glory, Sarah Larry. Voilà, que Dieu vous bénisse, que la bonne main de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Je n'ai pas oublié nos Facebook Live d'orientation prophétique. Je n'ai vraiment pas oublié. Je suis en train de m'organiser. Je suis débordé depuis un moment, mais je suis en train de m'organiser. Nous allons reprendre nos temps de prière, nos temps d'enseignement, nos temps de délivrance en ligne. Nous allons reprendre cela très bientôt. Très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. N'oubliez pas l'adresse mail pour l'école des prophètes.